Je ne peux pas m'empêcher de souligner le fait que, à la fois sur ce côté-là des bancs, mais aussi de ce côté-là des bancs, vous avez, pardonnez-moi de vous le dire, une manière curieuse d'appréhender la façon dont se passe le travail partenarial entre l'État et les collectivités. Pourquoi partez-vous du principe qu'il y aurait forcément du flou, du copinage, une manipulation cachée quelconque? Pas du tout. Il y a un avis du préfet, il y a un avis de la justice qui sera rendu. Et donc, très simplement, comme il s'agit de prérogatives importantes, le ministère de l'Intérieur rendra un avis pour savoir, en fonction de tous les critères qu'on a déjà longuement débattus ici, s'il est opportun de confier cette mission importante à telle ou telle collectivité dans le cadre de cette expérimentation, très simplement et de façon très transparente, puisque les critères, ils sont votés ici démocratiquement. Donc c'est évidemment un avis défavorable pour nous. C'est très intéressant ce que vient de nous dire la ministre, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, mais sur quelle base pourrait-on se dire qu'il pourrait y avoir des arrangements au niveau local sur la déclinaison de choses qu'on a votées ici à l'Assemblée ? Juste un exemple, et c'est peut-être ça qui explique, c'est un arrêté conjoint ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. Un exemple. Il était prévu, il y a quelques mois, de réorganiser la carte judiciaire des juges d'instruction. Et dans ce cadre-là, il y a eu des échanges de mails entre le cabinet de Nicole Belloubet et le cabinet du Premier ministre pour supprimer les juges d'instruction dans les villes où La République En Marche potentiellement ne ferait pas des bons scores aux élections municipales. Les documents sont à votre disposition puisqu'ils ont été récupérés par la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice que j'ai présidée. Ils sont ici à l'Assemblée. Je vous tiens les mails à votre disposition si vous voulez les consulter. Donc, chien échaudé... Chat échaudé craint l'eau froide. Donc, bon, si vous voulez, Madame la Ministre, à d'autres, oui, on a des raisons de craindre votre comportement. Oui, vous n'avez pas un comportement républicain et conforme à l'intérêt général dans bien des situations. Et dans celle-là, précisément, nous avons encore plus des craintes en la matière, puisqu'il s'agit de donner des prérogatives de police judiciaire dans le pays, ce qui n'est pas un sujet anecdotique. Monsieur Bernalicis, je ne vous permets pas de dire dans cet hémicycle que nous n'avons pas une attitude républicaine. Nous n'avons aucune leçon d'attitude républicaine à recevoir de qui que ce soit, et pardon de le dire, singulièrement de votre part. Et en ce qui concerne les maires, merci. Et en ce qui concerne les maires, au ministère de l'Intérieur, nous avons déjà démontré que nous travaillons avec tous les maires, quelle que soit leur couleur politique, de Natacha Bouchard, l'excellente maire LR de Calais, à monsieur Delafosse, l'excellent maire PS de Montpellier, avec lequel nous travaillons sur les questions de charte de la laïcité. Monsieur Bernalicis, vous souhaitiez intervenir ? Oui, on voit bien que les circonstances locales, effectivement, ont été prises en compte dans d'autres moments. Je reprends mes juges d'instruction, Madame la Ministre, parce que, contrairement à vous, moi, je me base sur des faits. Quand vous dites que je ne serai pas républicain et que, surtout moi, surtout vous, Monsieur Bernalicis, précisez, développez, expliquez-moi. Monsieur Bernalicis, s'il vous plaît. Je suis preneur de vos explications parce que, pourquoi je dis que vous n'avez pas une attitude républicaine ? Pourquoi je le dis ? La République, c'est le commun. Et en ayant fait le choix de vouloir supprimer des cabinets de juges d'instruction en fonction des résultats électoraux, vous avez poursuivi des intérêts particuliers, à l'opposé de ce qu'est la République. À l'opposé de ce qu'est la République. Alors bon, c'était pas vous, c'était pas votre ministère. Mais enfin, là, les arrêtés seront conjoints, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur. Et je suis pas sûr qu'avec le nouveau garde des Sceaux, on soit moins dans le copinage. Bien. Voilà, je dis ça, je dis rien. Merci.